La médiathèque La Source de Arnes a organisé une journée petite enfance avec de nombreuses animations en libre accès pour les tout-petits. Il s'agissait là d'un temps fort issu d'un mois de mars complet dédié à l'enfance, mais également un moment dans le cadre de la 10e édition de la Semaine nationale de la petite enfance. C'est un temps fort pour les familles, une rencontre finalement parents, professionnels et enfants pour les 0-6 ans. Aujourd'hui, c'était finalement un temps fort partenarial en fait, qui regroupait différents partenaires tels que le conseil départemental, l'association des rêves pour Yanis et les services municipaux, médiathèque, école de musique, relais petite enfance, accueil de loisirs maternels et garderie périscolaire maternelle. L'année dernière, on a répondu à un appel à projet du conseil départemental sur les troubles du langage et la prévention par la lecture. Aujourd'hui, en fait, c'était un petit peu l'aboutissement. Ce matin, par exemple, on a présenté un module de lecture qui a été créé dans le cadre de cet appel à projet, avec les assistants maternels agréés. Lectures animées, éveil musical et corporel, contes en tissu, démonstrations de portage bébé, orthophonie, exposition, baby yoga, jeux, activités sensorielles, spectacles, nombreuses étaient les activités de la journée. Et à la médiathèque, un dernier rendez-vous ponctuera même le mois Petit Peuton. Cette journée, elle rentre dans le cadre d'un temps qui a duré un mois et qui se termine chez nous le 1er avril, qui s'appelle Petit Peuton. Tous les ans, la médiathèque travaille sur le mois de mars sur Petit Peuton et cette année, nous avons travaillé sur le thème de la famille. L'objectif aussi, c'est de faire rencontrer aussi des artistes aux tout-petits, puisque le livre, les spectacles, ça ne s'adresse pas que aux personnes qui savent lire, mais aux personnes aussi aux tout-petits qui deviennent spectateurs et qui deviennent des futurs lecteurs. Le samedi 1er avril, nous avons un spectacle qui s'appelle « Longue jupe et culotte courte » de la compagnie L'Estafette, donc pour les 18 mois 6 ans. Et voilà, il y a eu deux représentations, une à 15h30, une à 17h, et, où les enfants pourront voir les objets du quotidien s'animer autrement et découvrir un petit ballet féerique avec tous ces petits objets du quotidien. Donc il nous reste encore quelques places, donc même jusqu'au samedi 1er avril matin, vous pouvez toujours nous contacter pour voir s'il reste de la place.